le dos seulement, hein. Oh, devant aussi quand même. Mesdames, messieurs, voici le roi de l'actu avec Moustapha El Atrassi. Ouais, le roi de l'actu. Rigolade. Hey. Moustapha El Atrassi. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la 153e cérémonie du roi de l'actu ce matin. Déjà. Les trois nominés sont... De qui s'agit-il ? Tout d'abord, Zorro. Ah. La comédie musicale du même nom a déjà réuni plus de 100 000 spectateurs aux Folies Bergères. Et ce succès, on le doit surtout au personnage de Bernardo, interprété par Etienne Dao. Le deuxième nominé, c'est Jeff Goldblum. Hier soir, l'acteur du film La Mouche a fait une entrée remarquable dans la série New York Section Criminelle. Ouais. C'est pas très logique, normalement ce mec aurait dû jouer dans Plus belle la vie, dans la mesure où les mouches sont attirées par la merde. Le troisième nominé n'est autre que Narcocheck. C'est le premier test pour dépister le cannabis chez les adolescents. Ça va être de plus en plus compliqué pour les jeunes de fumer. Moi je me souviens qu'une fois mon père avait retrouvé du shit dans ma chambre et il a gueulé. Il m'a dit, t'es relou, tu pourrais au moins faire tourner. Le roi de l'actu du 15 avril 2010 n'est autre que... Zorro. Oui, Zorro. Mais non, évidemment, c'est Narcocheck, mesdames, messieurs. Un cavalier. Eh oui, aujourd'hui, les parents ont les moyens de savoir si leurs enfants se droguent, et ce, grâce à un nouveau test de dépistage. Dépistage, je voulais dire vendu dans toutes les bonnes pharmacies. Dépistage. Ouais, ça arrive, voilà, bah oui. Ça peut être dépistage avec de la cam. Fumer provoque des bafouilles aussi. Hein. Ouais, la preuve qu'il ne faut jamais fumer les enfants. En tout cas, pour reparler de ce test, le problème, c'est que certains ados sont capables de faire uriner leur petite sœur à leur place. Oui. C'est un juste retour des choses, parce que souvent, c'est les petites sœurs qui font chier. En tout cas, ce produit marche déjà très fort, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de stars qui l'utilisent à l'image de Doc Gynéco. Ah bah oui. Le problème, c'est que lui, il n'a pas compris. Il pense qu'il faut fumer du shit pour savoir si t'as envie de pisser. Le roi de l'actu de Moustapha revient demain à 7h53 dans le 6-9.